Bienvenue au Festival du Voyage Engagé. C'est un festival qui, pendant une semaine, vous invite à découvrir qu'est-ce que peut être le voyage engagé. Autant par des tables rondes, des projections de documentaires auto-produits par des voyageurs, et on a aussi des ateliers do it yourself, qui sont beaucoup plus liés à l'action locale. On voulait contribuer de manière concrète à cette protection de la planète. Rassembler les gens, en fait, dans la société, c'est de déconstruire les préjugés qu'ils peuvent avoir sur les différentes convictions. Donc je pense qu'un des gros problèmes de l'être humain aujourd'hui et de son rapport à la nature, c'est qu'il est effectivement un surconsommateur, mais qui manque de reconnaissance, il n'est jamais compris. En fait, le christianisme aussi dispose depuis longtemps, et même depuis ses origines, de toutes les ressources spirituelles dont elle a besoin pour vivre sa vocation de gardien de la création, de la maison commune. Le musulman, malgré lui, vit en quelque sorte en respirant avec la nature. Ah ça, si on fait que de planter des salades bio, mais qu'on est sans arrêt en train de se nourrir de tas de choses autres, voilà. Donc il faut avoir quelque chose de cohérent entre ce travail intérieur et ce travail extérieur. Nous travaillons les deux. C'est de contribuer à structurer, à promouvoir, à valoriser le secteur de l'entrepreneuriat social en Méditerranée. Nous sommes à Sciences Po Lyon, le soir du vendredi 5 avril, pour ce débat sur les médias. Et même, nous, en tant que citoyens et citoyennes, comment on participe à la création d'informations? Ça permet de donner du sens à tout ce qu'on fait dans l'année parce que c'est vraiment le moment de visibilité entre ce qu'on peut faire au niveau global avec l'idée du voyage, d'aller chercher des initiatives, de les ramener en France et cette idée de dialogue avec les associations locales et du passage à l'acte. Ça permet d'avoir un parcours vraiment global entre la sensibilisation et l'action sur le territoire. Et c'est super pour s'hydrater, mais justement parce qu'en fait c'est saturé en graisse. Je pense que la GPT, c'est 7, 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 7
je fais une année de césure l'année prochaine. Et du coup, je fais un voyage de 6 mois. Et comme j'ai pas envie de prendre l'avion et j'ai envie d'organiser un voyage un peu responsable, j'ai découvert cette association. Donc, je suis venue au festival. Qui est assez kiffant de voir autant de personnes réunies, des gens qui ne se connaissaient pas forcément et qui par le biais d'ateliers se sont rencontrés, notamment l'atelier de cuisine participative de ce midi qui a vraiment créé des liens et qui était super bon d'ailleurs. Gardé leur culture, ils ont gardé en fait un mode de vie qui est resté traditionnel jusqu'à aujourd'hui. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils sont enfermés sur eux-mêmes, ils sont au contraire très au courant de ce qui se passe autour d'eux. Et surtout, mention aux explorateurs et à la qualité des contenus qu'ils proposent, parce que c'est des très bons échanges avec le public,
et ils arrivent vraiment à mettre en valeur leur travail. Et c'est vrai que c'était un super moment de les voir tous se réunir et faire connaissance entre eux. Sacré challenge, riche en expérience et aussi en apprentissage de soi-même. Dans la joie et dans la bonne humeur. C'est de filmer tout le long du week-end, de proposer aussi aux gens de passage de venir filmer et ensuite de faire un montage et de se rendre compte qu'on peut faire un montage très très rapidement et le terminer pour la fin du festival. Fatigué mais heureux. Rien à ajouter, c'était super, voilà. Paix et sérénité à tous.